Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ROTWK. Donc on se retrouve pour un 1v1 contre un brutal. Alors pourquoi je commence là la vidéo? Parce que sinon on va m'accuser de mettre un handicap au bot alors que je mets pas d'handicap, hein, pas besoin d'handicap pour gagner. Et le bot aura les gobelins, Préparez-vous à mourir, l'aléatoire je vais vous attendre. ayant Vous m'offrirez de décidé longues constructions. pour lui. Donc Le temps de on va bâtir. commencer bien, on va commencer par gagner, hein. Donc petite map super, hein. Un chemin tout droit, deux avant-postes de part et d'autre de la map. Alors j'avais pas envie de trouver une trop grande map. Je me suis Préparez-vous dit à comme ça, mourir, si je je me vais fais vous rouler attendre. dessus, c'est plus rapide. Un endroit idéal. Ce travail Et est si je important. gagne, bah ça sera aussi plus rapide. Non. Je veux de la thune. Bon, comme d'habitude, hein, le petit triangle, Nous nous préparons. 97% plus une caserne. Star tout à fait banal. Ah, c'est vrai que. En solo, quand vous êtes dans le menu pouvoir, ça stoppe le jeu. Quand je passais en multijoueur, c'était un peu bizarre maintenant de devoir être pouvoir. Quand tu es dans le menu pouvoir, le jeu continue tout seul. Donc pour l'instant, on est bien. Bon, faut avouer qu'ils nous ont pas encore attaqué. Nous avons fini Les cette matériaux de structure. Voilà. Deux choix s'offrent à moi, ou bien j'attaque directement le Bâtir une bot, nouvelle caserne. J'ai des matériaux de ou construction. bien je prends les avant-postes. Allons-y. Bonne question. Je veux de la thune. Bon, pour gagner un petit peu de temps, vous placez déjà votre bâtisseur, hein. Comme ça, On y vous prenez un travaille. peu moins de Les temps. matériaux de construction. Le temps, Les c'est de ennemis sont l'argent. derrière nous. Me dis pas qu'il a start araignée. Oh non, mais c'est le pire, il va faire Sauron en plus. Nos ressources sont au plus bas. Ok. Protégeons-nous, prudents. L'ennemi à l'anneau à présent. Il a Alors, déjà fait l'aléatoire un est activé. anti-start pour moi. Préparez vos ombres, préparez vos outils. Non mais putain, mais Nous travaillons pourquoi il start ensemble. araignée? Je lui ai Préparez vos rien outils. demandé, au secours. Attention à l'ennemi. Bon, on va L'hélicoptère prendre de des l'ennemi en araignée avant-postes, hein, est finalement. détruit. Et on va espérer qu'ils soient un peu concons pour taper le L'homme des bâtiment. Malornes est attaqué. Où devons-nous construire? Un endroit idéal. Je Et on va refuse très vite d'entendre faire une leurs deuxième ordres. caserne parce que je sens que s'ils co commencent à spam, ça va être compliqué. Ah, il était sous. Les arcs de Le l'alliance bâtiment sont est à à nous. nos ordres. Ok, terrain souillé, ça peut aller. Repos. Prenez-le pour les cercles. Ok. Préparez vos Nous outils. avons une Un malheur de alliance. perdu, 10 de retrouvé. Des matériaux de Bon, on va construction. d'abord faire une deuxième caserne. Les matériaux de construction arrivent. Le travail nous attend. Moi, je voulais mettre de la pression au début, bah, c'est déjà loupé, hein, avec son start. Situation Hein. hors de taille. Où devons-nous Bon, construire? l'unité est vaincue. Préparez-vous. Préparez vos outils. On va essayer de Endroit faire vite des héros idéal. aussi. Nous devons Nous protéger défendrons ces les voies. terres elfes. Elfes, préparez-vous. Je Nous veux de la avons nos thune. ressources. Le bâtiment Toujours est avoir sous de nos la thune. contrôles. Heureusement que des Assiégeons ce avant-postes, village. sinon. Elfes, Elfes, la vite. vigilante. Bon, on va direct attaquer Ennemis normalement. là. Aux armes. Il y a des araignées, Assaut à donc là ça devrait l'ennemi. le faire. Poussons Piquet ces plus attaques. archer. Notre belle C'est ville parfait. s'agrandit. Reprenez-leur ces terres. Nous devons nous Préparez dresser vos contre armes. eux. N'attirez pas l'attention. Alors, brutal, on dit plus rien, hein. Des matériaux de construction. En vrai, Développons ce fait. j'ai bien envie de tenter Elfes, ça. poussez-les. Elfes, préparez-vous. Restez dans les arbres. Archer de la Lorient caché bas. Elfes, par ici. Ils n'ont rien à faire ici. Ok, Gardez vos sens en éveil. il vient par là, c'est parfait. En vrai, son start araignée, ça va peut-être se retourner Nous contre devons lui, hein. protéger ces voies. Maintenant, tirez. Par contre, j'ai vu qu'il est parti avec un bâtisseur par là. On va essayer Vigilance dynamique, nous de le entrerons dans tuer. leur camp. En ligne. On va essayer de se faire un petit avant-poste là. Nous devons défendre nos foyers. Préparez vos armes. Alors, tac. Vous tuez le Situation machin. hors de Vous taille. cassez le bâtiment. Reprenez Gardez leurs vos sens armes. en éveil. Ah ouais, il se taille. Aux armes. Ouvrez l'œil, sentinelle. Dressez-vous. Nous défendrons les terres. Nous avons fini de nous construire. Parfait. On y travaille. Parfait, c'est ça qu'on veut. C'est du beau jeu. On va faire à lire. Ouais, vous voyez, un bot pas compliqué à battre. Hein. En vrai, même moi, je suis un peu étonné de la situation avec le bot là. D'habitude, on se fait un peu marcher dessus là pour l'instant. Pour l'instant, ça tient plutôt bien. Hein. Mon dos, do les archers les gobelins ont la portée. Moi, j'ai pas la portée. Ok, il fait des tours devant ma gueule. Bon, par contre, faut pas abuser.
Bon, par contre, j'ai peur qu'il imaginez en fait pourquoi il est aussi mauvais. C'est en fait, il économise pour faire ce rond, et quand il va sortir, je vais pas être prêt. Ouais, ça se passe plutôt bien, ça se passe bien. Bon, par contre, on n'a plus de pop. On veut de la pop. Moi, si on arrive à casser avant-poste, ce serait super. Hop. Mais vous voyez là, c'est facile de battre un bot, hein. Franchement. Ça, c'était pas la bonne solution pour lui. Aïe, il a pas pris les avant-postes. Pourquoi il a pas pris les avant-postes? Bon, les tunnels qui produisent 28, c'est quand même assez extraordinaire. Alors que niveau 1. Moi, si vous voulez gagner un petit peu de temps avec l'IA, vous n'êtes pas obligé de casser les scieries, vu que si vous avez tué les petits bûcherons, ça sert plus à grand chose. Bon, les piquets qui se défendent, ça c'est parfait. Limite, bon, ça va mourir, c'est pas grave. Ils auront fait le boulot. Ils s'amusent à faire des tours? Ah ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire des hommes. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Ok, le troll qui est un peu buggé. On va essayer d'en profiter. Ah, le petit aller-retour. Bon, ça c'est un petit bug, hein. Elia est un peu trop con à mon avis pour le faire débugger. C'est triste, mais c'est comme ça. Bobby mourut bêtement. Bon, ça va, Sauron est pas de sortie pour l'instant, donc ça va. Non! On va faire Lego. On va faire les colosses et hop. Je dis pas qu'il est bugué aussi, sûr. Oh, voilà, ça c'est le talent. Ça c'est le talent. Bon, moi je voulais un pouvoir niveau 15. En vrai, limite. Qui a clic, hein? Meilleure touche du jeu. Bon, le truc, c'est protéger les zen, quand même. Les piquets que je perds, je m'en fous un peu maintenant. Et la forteresse qui va sans doute tomber. Bon, ce qui est derrière va mourir. En vrai, il aura bien fait le café. Après, vous allez dire que j'avais le bon counter contre les gobelins. C'est vrai que les elfes, c'est assez efficace contre les gobelins. Mais quand même, hein, c'est un brutal en face. Hein. Et la forteresse qui va tomber. Putain, ils sont toujours pas morts, mais franchement, c'est des vrais génies. À le dire, récupère l'anneau comme dans le film, ramène-la à la forteresse. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut Galadriel. On fera peut-être pas Galadriel parce qu'il faut pas lui dire. Bon, eux ils vont disparaître, c'est dommage, mais j'ai le meilleur des Zen qui vient d'apparaître. Bon, le bot, par contre, je sais pas pourquoi, s'il est bugué ou pourquoi il a pas pris les avant-postes. Moment souvent il focus ça en plus, donc c'est un peu bizarre. Ouais, il l'a pas pris non plus celui-là. Bon, après c'est pas grave, il a tellement un boost économique que c'est mérité. 34, 19. Le pire, ça c'est même pas du 100%, ils sont quand même un peu collés. Hein. Mais bon, tac.
J'allais dire, me dis pas qu'il y a quand même la thune pour faire Forto, non, non. Faut pas abuser. Tac. Joli. Bon, par contre, tu sais pas dire beaucoup une autre phrase. Ah bah non. Vous vous souvenez de Je s'appelle Groot? Bah j'ai l'impression que Silverbarb il a un peu le même truc. Allez à le dire! Oui! Il a tué le troll. Voilà. Donc voilà comment battre un bot gobelin avec les elfes. Hein. Moi je savais pas quelle faction j'allais affronter, mais au final les gobelins ça a plutôt été simple. Hein. Donc voilà. C'est pas mal, non? On va quand même boire. Oh, 10 minutes. Oh, ça va, hein? Bon, niveau unité, j'étais bien. Niveau structure, bon. Le bot toujours dans l'abus, alors que j'ai quand même fait pas mal de structure. Niveau ressources. Bon, même sans avant-poste, il fallait que je prenne bien l'avantage quand même pour avoir l'écho. Hein. Bon, il a juste manqué d'écho là. Par contre, là, je pense que quand je vais péter sa forto, il savait plus trop quoi faire de son écho. Niveau score final, bon, il a réussi à être devant moi quand même un moment. Je trouve ça honteux parce que franchement, j'ai gagné à peu près tous mes fights. Ah, quand par contre, quand il a peut-être cassé un malheur. Niveau une ratio, bon, ratio 4,50 presque. Unité tuée 565, plutôt pas mal. Structure perdue, j'en ai perdu qu'une. Hein. Le premier malheur au début. Niveau thune, ah, j'avais un taux de revenu. Ouais, merci, les avant-postes. Hein. Sinon, ça serait pas le cas, et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo 1v1 contre un brutal vous aura plu. Je pensais. J'étais pas sûr de gagner, je dois vous l'avouer, mais on a réussi. Donc, j'espère que vous allez vous marrer grâce à cette vidéo. Enfin, vous marrer, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas ce que je raconte. Allez, à plus.